L'OMNI, il est vraiment très stuff. Ils les voient, je pense. Ils savent qu'ils sont là. Il y a une qui vient d'être posée. Démon qui va essayer de mettre une ward et qui a pas eu le temps, qui vient de se faire choper. Voilà, ça a été très rapide. L'ulti Venom qui est posé au-dessus de tout le monde. BKB du côté des deux mousses. Et l'ulti SK qui rentre dans le tas. Omni qui est au milieu avec un rappel. Et c'est le Dazzle qui est une fois de plus tombé au milieu. La Broodmother qui se fait instant. Voilà, Ricky qui va tomber cette fois avec la Brood. La Brood qui est tombée aussi. Trixie qui est encore au milieu. Le Ricky qui a buyback. Non, c'est la Broodmother qui a buyback instantané, il me semble. L'Eshrak qui va essayer d'aller choper le Venom. Ouh, qui le chope juste et qui va le tuer. Derrière, ça continue avec Broodmother qui poursuit la Vengeful. Non, qui poursuit le Rasta. Le Rasta, il a un force staff, mais il va jamais le choper. Pourquoi il continue? Il va peut-être, ils vont peut-être essayer de push. Le SK, il push au milieu là. Le SK, il push au milieu. Ils vont essayer d'aller tuer cette Venge. La Lich qui va pouvoir lui mettre un Nova très 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 prochainement. Ah, ils vont tuer au final. Ils vont tuer. Putain, là. Et ça va être deux morts de plus du côté Fnatic. Double kill de la part de Trixie. Alors que le SK est en train de push mid, mais le SK est parti. Il push avec des Illus. On demande si la lag stream. Bah j'ai pas l'impression. Donc je suis désolé si c'est le cas. Oh merde. Encore? Bah si ça lag, je suis désolé, je comprends pas. Je vais pas reboot le stream parce que je vous avoue que je suis perplexe concernant ce lag. J'ai pas de ping, j'ai rien, j'ai. D'accord, donc ça lag pas. Bah ouais. Évitez de dire que ça lag si c'est un coup de stream de temps en un coup de freeze de temps en temps. Hein. Je vous avoue que. Voilà quoi. Enfin bon, même s'il n'y a pas de soucis. La Broodmother qui a buyback du coup. Hein. Je vous signale donc a perdu beaucoup d'argent. Putain, le Sing Sing, il est stuff. Allez, je vais faire un tour des items parce qu'il y a le gacha sur le Ricky. Un BKB bientôt sur le Shadow Shaman. Donc il y avait déjà la Ganym, il n'y a pas grand-chose de plus. Pour le moment, il n'y a toujours pas de pipe des deux côtés. Ce serait vraiment intéressant une pipe côté nous. Je pense que vraiment, c'est obligatoire. Je comprends pas pourquoi ils l'ont toujours pas fait d'ailleurs. Franchement, je comprends pas que ce soit l'Omni ou que ce soit la Lich ou le Dazzle. Même le mecha, hein, le mecha. Alors le mecha peut-être pas, je pense que la pipe c'est vraiment obligatoire. J'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est quand même. Surtout vu les teamfights, c'est-à-dire que ça enlèverait quand même un peu. C'est juste pendant le teamfight, mais il faut dire là les PC qui sont mis à rude épreuve. Hein. Il y a des Shiva dans tous les coins, il y a beaucoup d'effets graphiques là. Entre l'ulti Veno, l'ulti SK, l'ulti SK qui doit. C'est sûrement l'ulti qui prend le plus de ressources. Hein. Quand on voit le déplacement de la Terre, je me dis qu'il doit prendre des ressources. Enfin, peut-être pas, hein, mais c'est peut-être juste. Bon, je sais pas, je m'en fous, mais. Et les Fnatic qui push. Est-ce qu'il y a un TP du côté de tous les. Ouais, Dazzle a pas de TP, enfin, qui rentre vite. Ils vont laisser tomber la première tour. Qu'est-ce que la Broodmother a acheté? Un Yasha. Un Yasha, la Broodmother a acheté un Yasha. Et le Trixie qui peut rebuy, qui push comme il peut. Il a un TP sur lui. Ils vont aller TP en haut. Il TP à la base. Il va direct aller def. Fortified, l'ulti Rasta qui est posé. Je sais pas qui va engager du coup là. On va voir un peu. Il y a un swap qui est parti sur l'Omni. L'Omni qui va être instant. Oh, l'Omni qui a même pas eu le temps de mettre son ulti ou ses heals. Qui a été complètement instant. Derrière, c'est le Venom Hunter qui se fait instant, mais il a mis son ulti. L'ulti SK qui rentre dans le tas, qui fait énormément de dégâts. Et là, il n'y a plus les BKB sur les mousses. Trixie qui est toujours dans le tas. L'Omni qui s'est rebuy et du coup qui est venu mettre son ulti. Le SK qui est tombé. La Venge aussi. Putain, les mousses, qu'est-ce qu'ils fightent bien. Oh, ils ont failli perdre la tour, mais qu'est-ce qu'ils fightent bien, ces enculés. Oh là là, c'est impressionnant. Vraiment très impressionnant de leur part là. Je sais pas si on peut voir ça.
J'aurais bien voulu essayer de voir les dégâts totaux de l'Eshrak, parce que l'Eshrak qui doit être monstrueux là en teamfight, c'est vraiment lui qui fait les dégâts. Pipe sur SK, pipe sur SK, pipe sur SK! Ah, j'avais pas vu. Et la courbe du fight qui s'équilibre totalement, quoi. C'est-à-dire que rien n'est décidé, même si là ils vont push, hein. Il n'y a plus de Ricky. Ricky qui a été obligé de rebuy, mais ils vont quand même prendre, je pense. Ils viennent de mettre la. Ils viennent de mettre l'invulnérabilité. C'est le SK, le SK qui est à l'intérieur et qui va se faire complètement instant. Il n'y a pas d'ulti SK de toute façon. Et il va se faire tuer par Trixie. Derrière le Venom. Le Venom qui vient de mettre son ulti. Il n'y a plus aucun BKB. Il y a un Ripple toujours sur le Leshrac. Le Ricky qui est rentré dedans. Ils vont même pas réussir à tuer cette. Si voilà, la Rax qui est tombée, du coup Mousse qui va reculer, mais ils vont sûrement se faire choper. Demon qui va probablement tomber. Voilà, il vient de tomber avec la gemme. La liche, c'est pareil, il reste plus que le Leshrac qui peut rebuy. Il peut rebuy. Non, il peut sûrement pas, lui, il peut pas non plus. On a 7000 gold et lui il peut pas. Ça va être compliqué à def, hein. Ça va être très compliqué à def. Qu'est-ce que va s'acheter le Leshrac? Il a 7000 gold, hein. Ce serait vraiment l'occasion d'acheter, je pense. Vraiment, vraiment l'occasion d'acheter. Il a rien acheté de plus. Je pense qu'il va pas prendre le temps d'acheter. Il va vraiment pas prendre le temps d'acheter. Il pourrait se faire un Shiva, il pourrait faire une pipe. Bon là, pour le coup, ça l'aiderait vraiment pas. Et ils vont pas push les Fnatic. Ah, oh, c'est dommage. Fnatic qui a perdu une Rax. C'est pas forcément déterminant, mais... Et ils vont aller faire Roshan. Ah, c'est intelligent. Il y a un cheese en plus. L'ulti-Rasta qui est posé. Il y a un Aghanim, un Vladimir sur le Rasta, d'ailleurs. Il va peut-être aller acheter, du coup, le... Ah, il va aller acheter. Il va aller acheter. Je sais pas ce qu'il va acheter, mais il va acheter. Il va acheter vite fait, bien fait. Alors que le Rasta vient de tomber. Oh putain, Trixie qui est allé dedans, qui a mis son BKB, mais qui est tout seul. Qui est tout seul. Il va pouvoir buy back. Il a piqué le cheese. Il s'est remis full life. Mais derrière, il va prendre le all-in. L'ulti Veno qui vient d'être posé, mais qui a touché personne. Là, c'est le moment pour les Shrek d'acheter. Il a encore 4700 gold. Il peut sortir un peu de vie. Le Dazzle qui est au milieu. Et du coup, il va se faire heal. Et il va survivre, c'est le Ricky qui s'est fait choper, non c'est le Venom qui se fait choper, le Venom qui va probablement tomber, de toute façon il a plus l'ulti, le Ricky qui est encore là, Trixie qui vient d'arriver, qui va stun, putain les stuns, l'ulti SK qui vient d'arriver avec le Shiva, un ulti Lich qui arrive aussi et qui va rebondir sur un peu tout le monde, l'ulti Omni qui vient d'être posé, Ricky qui ne sert plus à rien et qui va, non c'est le Venom qui va tomber, la VS aussi, le Ricky vient de, ah bah il est tombé aussi, mais avec la Aegis, le Ricky à l'intérieur mais il est tout seul. Avec le Rasta, le SK est toujours là aussi, mais le Ricky qui va tomber avec le heal du Omni et le Rasta. Et du coup, putain, les teamfights c'est n'importe quoi, j'ai beaucoup de mal à suivre, je suis désolé. Je fais ce que je peux. Putain, Trixie il est chaud. Il est chaud cet enculé. Putain, il m'impressionne. Il achète un TP, je sais pas ce qu'il pourrait acheter de plus vraiment de déterminant comme objet. Une Bloodstone peut-être, et encore, c'est ce qu'il a. Un Heart of Taras tout court. Il n'a pas nécessairement besoin de mana à mon avis. Un Heart of Taras ce serait vraiment très intéressant, je pense. Une gemme, et ils vont peut-être y aller là. Ouais, Trixie. Ouais, Trixie là il m'impressionne, il nous fait une de ses parties. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il fait des stuns parfaits à chaque fois. Il perd pas ses moyens. Il fait des bons focus. Mais c'est pas gagné. Hein. Pour Mousse, c'est loin d'être gagné. Une game assez incroyable pour le moment que nous proposent les deux équipes. La line-up des Mousse qui tient largement le coup. L'Omni qui est vraiment très important dans cette line-up. Ça, c'est sûr et certain. Là-dessus, il n'y a aucun doute à se dire. À se faire. Aucun doute à se faire. Parce qu'aucun doute à se dire, ça veut... Ça veut rien dire. Est-ce que le Leshrac n'a pas intérêt à acheter une Bloodstone? Ça a été le Heart of Tarask. Alors pourquoi une Bloodstone? Non. Tout simplement parce que la Bloodstone... alors ça file des HP et de la régène mana. Mais de la régène mana il en a beaucoup.
Il lui fallait vraiment beaucoup de vie. La Bloodstone n'enfile pas énormément, il me semble. 500 points de vie, 400 points de mana. Alors que là, il y a déjà 300 points de vie, 40 de strength. Et la strength, ça file combien de points de vie? Ça file 19. Et 19 fois 40, ça fait de tête 760. Donc ça lui file 760 points de vie contre 500 ou 400 avec la Bloodstone. Allez, 500 avec la Bloodstone. Donc surtout avec beaucoup de régène vie. Donc c'est beaucoup plus intéressant à Taras. Surtout que la Bloodstone, alors certes, va lui donner de la régène mana. Ça va permettre à ses alliés de se heal quand il va mourir. Mais le but, de toute façon, c'est pas qu'il meure, c'est qu'il reste en vie. Donc c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant le Wrath of Taras. Il a bien eu raison. Et les mousses qui sont en smoke, qui vont peut-être y aller. Le Trixie qui vient de se révéler. Ils vont direct se retourner en bas. Ils étaient aussi en smoke. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont y aller les mousses? Putain, je pense que là, c'est un déci. Hein. C'est vraiment un déci. Personne n'a envie d'y aller. Le Ricky qui n'arrive plus du tout à... Faut dire, il a pas énormément de stuff. Le Ricky qui arrive plus du tout à tirer son épingle du jeu là. Il y a des Aghanim partout sur tous les héros. Putain, elle a une de ses... Elle a un de ses fers à cheval dans la main, elle. La pute. T'as vu ça? Regarde le fer à cheval. Avec la ganime. Ça rigole zéro. Hein. Ça rigole zéro ce truc. C'est un truc de manouche. Je te le dis, moi. Alors, comment ça va se passer pour les mousses là? Je sais pas. Je sais pas qui va gagner. Les Fnatic, ils sont obligés de défendre le mid. Hein. Je vous rappelle, ils l'ont perdu. Donc c'est pas évident évident comme on dit. Et je check rapidement s'il y a des nouveaux objets. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux objets. Il y a toujours pas de pipe. Il y a un force staff sur Alish qui va peut-être leur permettre de s'en sortir. Mais là on va vraiment partir pour une partie longue. À mon avis, c'est simple. Hein. Le prochain teamfight va être déterminant. Va être vraiment déterminant. Trixie qui ferme pour une raison un peu obscure. Ah si, il faut qu'il... Current buyback cost 1950. Donc il est loin de pouvoir buyback, quoi. Va falloir qu'il ferme. Putain, 2000 de gold le buyback, là. Ça commence à être un peu violent. Bah lui, ça va être un peu pareil. Non, il est pas 25. D'ailleurs, au niveau des niveaux, il n'y a que Trixie. Hein. Trixie qui est niveau 25. Hein. Alors, vous voyez Disconnected, mais il est là. Hein. Il est bien là, le Sexy Bombo. C'est juste qu'il a déconnecté 4-5 fois dans la partie. Donc, du coup, j'aurais jamais cru dire que quelqu'un avait déconnecté 4 fois dans une partie de Dota. Avant, quand tu déconnectais, bah, tu t'allais te faire enculer. Maintenant, bah, tu reviens tranquillement. J'ai eu un blue screen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai eu un blue screen. Alors bien sûr, quand t'as un blue screen, ça stream pas le blue screen, hein, puisque le blue screen, l'intérêt c'est que ton PC s'éteint. Je suis sûr des connards allaient demander, mais j'ai eu un blue screen et j'ai pu me reconnecter et ça c'est kiffant. Alors oui, alors le Seat of Vice il transforme en mouton, le Rasta il transforme en chicken, le lion il transforme en grenouille. Si je crois qu'il n'y en a pas d'autres, il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Le Shipstick, le Seat of Vice, le Ginzo. Mais alors pourquoi ils l'ont pas appelé Ginzo? Je pense qu'il y en a qui connaissent la réponse. Ils l'ont pas appelé Ginzo parce que Ginzo il est chez Riot. Ça aurait été un peu con de l'appeler Ginzo, à mon avis. Et c'était évident qu'ils allaient changer le nom. Parce que Ginzo, ça appartient pas au domaine Blizzard, mais bon. Ginzo, c'est la personne qui gérait Dota un peu avant Icefrog. Et voilà, c'est reparti sur le Ricky. Le Ricky qui va peut-être se faire instant. Caprina, maintenant, qui claque le BKB. Pareil pour Trixie. Le Shiva qui est planqué. Alors voilà, Venom qui a mis son ulti, qui peut mourir tranquillement. Les mousses, ils vont peut-être attendre un peu la fin de l'ulti Venomancer. Vous pouvez voir. Hein. Dement, il pourrait juste mourir juste avec l'ulti. Hein.
Il est tombé à 70 points de vie juste avec l'ulti. Ça a fait 1000 points de dégâts. Ouais, Trixie, c'est la référence sur Heroes of New Earth chez Fnatic. Ça, je sais. Et superbe swap de la part de... Ah bah non, pas du tout superbe swap de la part de Vanshul. Je pensais qu'elle avait swap quelqu'un d'autre, mais non, elle a swap la Vanshul. C'est pas très intelligent. Et du coup, Mousse qui rentre dans le tas. Le SK qui est dedans, qui a encore son ulti. Faut pas qu'il se fasse instant. Il se fait poursuivre. Le Ricky qui est au milieu, qui a pris un stun Trixie. Encore une fois, très très bien placé. Rasta qui fait un shackle sur le Dazzle. Et le Ricky qui est très très mal en point là. Et qui va se faire tuer par Trixie encore une fois. Le Rasta qui est un peu dans la merde, mais ils s'en foutent. Ils vont aller tuer le SK qui a toujours pas mis son ulti, mais qui va tuer la Leech. Et Trixie, Trixie qui avait encore touché. Et ils vont aller fumer la tour, les mousses. Ils sont 4. En face, ils sont plus que 2. Il y a toujours un ulti SK. Donc ils peuvent encore faire. Ils peuvent encore intimider les mousses. Mais ça s'arrête là, surtout que Trixie n'a plus beaucoup de points de mana. Ils vont essayer de prendre la tour. Mais ça s'arrête là. Le cochon qui est mis sur le Rasta. Pareil, le SK qui s'est fait engager, qui a toujours pas eu le temps d'ulti. Hein. Le SK qui a toujours pas mis le temps d'ulti. Il met son Shiva, mais il va quand même se faire fumer. Il stun rapidement. Il a mis la pipe, mais c'est tout. Le Rasta qui va se faire fumer derrière. Il y a le Venom qui est revenu, qui a déjà remis l'ulti. Sur Sing Sing notamment. Sing Sing qui va peut-être tomber. Il y a l'ulti SK qui a été mis, qui est complètement loupé. Qui va juste toucher l'Omni Knight qui va sûrement tomber après son Shallow Grave derrière Trixie qui est mal en point, qui claque le BKB, qui met un peu de stun mais qui va quand même tomber. La Broodmother qui est dans le tas, qui a un BKB mais qui devrait reculer, qui va prendre le stun et qui va tomber aussi. Triple kill de la part de Venomancer, bah putain. Putain, Venomancer qui a même fait une Diffusal Blade, c'est n'importe quoi. Et du coup, bah il y a eu plein de fights mais aucun dénouement. C'est-à-dire qu'ils ont juste pris la tour. Oh putain! Je suis en train de lire les commentaires de Marsu. Mais non, mais alors. Marsu, alors on dit go stream Marsu. Qu'on puisse te hate aussi. Mais Marsu est une putain de lopette qui ne va jamais stream. Parce que Marsu a peur de parler en public. Et c'est un peu triste. Oh, Trixie qui met son BKB un peu pour rien là. Il pensait que les Fnatic étaient pas trop loin. Malheureusement, il s'est déjà parti. Mais du coup, ils vont se fumer le. Ils vont essayer de se fumer. Et il y a un superbe swap Vengeful. Yes, yes, yes. Comme merci à toi, Marsu. Mais il y a quand même le repel, l'ulti Omni qui est posé. Et du coup, ça se calme un peu niveau teamfight. Il y a l'ulti SK qui vient de partir, qui va tomber. Trixie qui va peut-être le tomber. Trixie, faut qu'il s'en sorte. Trixie, il a le ripple. Il peut fight un peu. Au milieu, ça se fight complètement. Les mousses qui se font un peu repousser par la vague Fnatic. Et c'est Dazzle et Leech qui sont tombés. La Broodmother pour le moment s'en est sortie. C'est pareil pour Trixie. Par contre, l'Omni, j'en donne pas cher pour lui. Non, l'Omni, il fait bien de reculer. Là, il va falloir qu'ils arrivent à def. Je suis pas sûr que les Fnatic aillent push. Ils vont peut-être finir Roshan. Par contre, ouais, voilà, ils vont perdre le Roshan. Perdre le Roshan. Le cheese sur qui? Sur le Rasta. Bon, pourquoi pas. Et Aegis sur le Ricky, mais le Ricky qui a Sanjay Yasha. Radiant courrier. Ah, c'est dommage, ils ont perdu le courrier. Je sais pas s'il y avait dedans. Il y avait peut-être de l'item d'ailleurs. Mais quelle bourde était collector Marsu, s'il te plaît. J'ai pas eu le temps de tout lire. Ah, j'ai dit à la swap la Vengeful. Oui, c'est logique. Elle a swap la Vengeful. C'est un peu la Vengeful à swap. Elle a swap la Vengeful. C'est pareil, ça veut dire la même chose. J'ai pas dit elle a swap la Vengeful, genre elle a swap le héros, quoi. Tu vois, c'est. Voilà, c'est exactement ça, Tetsuke. T'es con ou quoi?
Et Marsu, tu cherches la petite bête là où il n'y en a pas. Hein. Et la partie qui se pose. Mousse qui défend, qui reste à l'entrée de sa base, je sais pas trop pourquoi. Trixie, c'est un peu pareil, il a 4200 gold, il est full stuff. Du côté du stuff, il y a des boots of travel qui commencent à pop d'un peu partout, j'ai l'impression. Rastak a plutôt bien farm là. Est-ce qu'il y a des boots of travel? Mais je sais pas, il y avait quelque chose dans le chic. Je sais pas ce qu'il y avait dans le chic, mais il y a toujours pas d'item sur le SK, de bot particulière sur le SK. Faut peut-être falloir qu'ils fassent pareil les tricks, les mousses qui prennent des bottes, des travel, etc. Je sais pas s'il y en a. Bah, il coûte combien là le rebuy de Trixie? Il coûte 2000. Il commence à être beaucoup. Non, non, alors ça restaure 2500 000. Ah, putain, vous arrêtez de le swap. 2500 000, c'est pas 1500. C'est 2500 HP, 1000 mana. 1000 MP. Mais j'ai pas le temps de lire ce que vous. Raskar Kapak. Putain, j'adore. J'adore ton pseudo. Même si tu me trahis, j'adore ton pseudo. C'est pas un mec de Tintin, Raskar Kapak? Je suis sûr, c'est le putain de zombie dans je sais plus quel truc de BD de Tintin là. Non, je dis putain, c'est quoi? Je suis sûr que c'est un truc de Tintin, Raskar Kapak. Si tu peux me dire et tu peux me confirmer que j'ai de la culture. Et Mousse, bah qui se. Je sais pas ce qu'ils font là, les deux putains d'équipes. Ils mettent en retard tout le monde, il est presque 22h. Il est presque 22h. Putain! Soixante-dix minutes, on attend toujours le dénouement. Excusez-moi, hein, c'est mon frère qui vient demander si je veux manger. Mais je suis là avec vous. Et là, Teamfight qui vient s'engager. Je sais pas qui a la swap, j'arrive pas à voir. Marsu va m'engueuler, mais entend. Oh, c'est Trixie qui se fait défoncer, qui vient de popper le BKB, mais qui est quand même tombé. Il va instant rebuy. Il y a l'ulti SK qui vient de partir. Fnatic qui vient de faire un très très bon teamfight. Le Ricky qui est toujours en train de tâtonner à l'intérieur. La Broodmother qui s'en va, mais le Trixie qui vient de revenir, qui a plus le BKB, mais qui a le Ripple, qui se refait quand même swap. Le Ricky a plus beaucoup d'argent, plus beaucoup de points de vie. Et Trixie qui retombe, et là c'est la fin de Mousse. Très très bonne teamfight de la part de Fnatic qui a été vraiment très impressionnante. Il y a encore un swap de la part de Vengeful qui a un CD à 20 secondes complètement infâme. Moi je dis quand même bravo à Trixie parce qu'il a fait une très belle partie. Et Fnatic qui remporte sa partie. Et bah ça a été une belle game. Hein. Très très belle game. Et qui se finit au bout de 72 minutes. Eh ben, ça c'est de la partie les gars. Ça c'est de la partie. Ça fait une heure et demie que je shootcast cette putain de partie pour voir un dénouement comme ça, bah je suis content. Ouais, un 5-0 sur la fin, effectivement, c'était... ça rigole 0.